compagnie de Julie Guichawa. Julie, vous êtes responsable communication de la marque Falcon, spécialiste des pianos de cuisson, et vous présentez au GPI le Nexus, qui est votre dernier piano de cuisson. Celui-ci a quelques particularités. Quelles sont-elles ? Alors, tout à fait. Le Nexus a une multitude d'astuces. Donc, tout d'abord, nous avons ici un tiroir chauffant spécifiquement pour faire lever les pâtes, qui va être à 40 degrés, que l'on allume et on éteint ici, tout simplement. Et puis après, c'est un piano qui a également un four grill barbecue avec une grille qui permet de varier la hauteur pour avoir une flexibilité un peu plus importante. Donc vous voyez, on a quatre positions différentes suivant la façon dont on positionne la grille. Et puis ensuite, au niveau du four principal, on a ce que l'on appelle un handi rack, qui est un plateau suspendu à la porte qui permet donc de vérifier la cuisson en toute sécurité. Et puis enfin, sur la table de cuisson, on a ce que l'on appelle une multizone, où on a soit donc une plancha que l'on utilise comme ça, soit on a un médaillon en vitrocéramique que l'on peut utiliser également. Alors, on le voit, le design aussi est important. Ce piano a des lignes beaucoup plus contemporaines que certains modèles plus classiques, on va dire, de Falcon. Oui, tout à fait. Des lignes très modernes pour vraiment s'adapter au niveau contemporain, parce qu'on a tendance à penser que le piano de cuisson est fait pour les cuisines traditionnelles, mais ce n'est absolument pas le cas. Et Falcon a voulu vraiment souligner que le piano de cuisson est aussi adapté pour les cuisines contemporaines. Quelle est sa disponibilité et quel sera son prix ? Alors, la Nexus, telle qu'elle est ici, en 110 cm avec une table gaz, sera disponible en juin 2014 à 3 399 €, et sera ensuite suivie par une version induction et une version en 90 cm également. Julie, merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe.